Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de DRG, donc du Prog Galactique qui vient de sortir en définitive édition de luxe de gold, franchement voilà, bien t'as vu. Et ce en compagnie du grand spécialiste que je vous invite toujours à aller voir sur Twitch, en plus pour voir comment j'ai bien planté juste avant, Dreamer. Ça va Dreamer? Ça va. Je confirme, tu as bien planté. Est-ce que ça roule? Est-ce que tu dis bonjour à YouTube? Ça va. Ou est-ce que maintenant que tu es un Twitcher, tu méprises bonjour, tous les YouTubeurs? Non. Non, c'est bon. Non, je maîtrise pas. Je méprise pas. C'est ça que t'as dit? Oui. Parce que j'ai un petit peu une phrase sur. Oui. Mais non, ouais, j'ai un peu pareil. Je sais pas pourquoi. Toujours un peu chiant. Donc, de nouveaux réglages graphiques à faire. Hein. Vérifiez vos réglages graphiques. Moi, ça a changé beaucoup de choses. Ça, c'est feignant, ça. Et alors, voilà. La petite Morkite sombre que je vais être obligé de repayer à 550 boules. Qui octroie donc un bonus pas dégueulasse de 200, de 20% de plus de Morkite, de Morkite. Oh yeah. Dit aussi de shit de ses morts. Oh, je suis un monstre. Le jeu a dit je suis un monstre. Le jeu a dit je suis un strebon. Ferme-moi cette merde. Voilà, je prends la tienne, hein, vas-y. Hein. Alors, on fait pas un épisode pour rien. On a un épisode où on va parler chiffon-nain, nain-chiffon, chiffon entre nains. C'est-à-dire, visiblement, on va parler flingue. Ah merde, je suis déjà bourré. C'est ça. Eh merde. Attends, je suis déjà bourré. Voilà, on va se remettre plus de bière dans la figure. Alors voilà, d'ailleurs, ça me permet aussi de vous montrer. Alors, en se payant la bougre de con, parce qu'en gros, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ah, on va pas se mentir. C'est ça. La bière bougre de con, la spéciale. Ouais, il manque quelques frames hein, sur ce jeu. Hein. Il est pas stable encore. Hein. On sent que c'est pas ça. Hein. Pouette. Alors, il faut réuploader toutes nos. Enfin, réaméliorer toutes nos armes. Donc, visitons ça avec Dreamer. Dreamer qui est dessus, qui n'en peut plus. Pourquoi il y a trois petits points là-haut là? Ça me stresse. Ça me stresse pourquoi? Bon, bref, c'est pas grave. Allons voir la fourreuse. Ah ouais, waouh, waouh, waouh. A vous, tu adores. A vous, Dreamer, que tu adores. Ce jeu, tu l'aimes. Alors. Ouais, bon, là, de toute façon, c'est simple. Là, on n'a pas 50, on n'a pas 50 options vis-à-vis de la fourreuse. Je n'ai peut-être pas pris le meilleur personnage pour montrer les choses. Alors, est-ce que. Tiens, Knarfank, t'es là. Il est là. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bah, on va commencer à aller chercher des armes et tu me dis. Faut que tu me dises si tu peux aller dans le tableau d'affectation. C'est où ça? Attends, je sais pas si on peut faire les mêmes. Ou non, tiens, va directement. Ah oui, parce que alors oui, parce que ce serait bien que tu le dises aussi pour ton tube. C'est que maintenant, il faut qu'on va pouvoir aller récupérer des flingues. Tout à fait. Donc on a alors non seulement les récupérer. Mm-hmm. Donc pour ceux qui débutent, vous avez aussi une sorte de petite vous devez faire avant de débloquer quoi que ce soit. Et au-delà des armes, vous avez aussi quelque chose bon bah que j'ai déjà fait juste avant la mise à jour 19 qui est la mise à la retraite de chaque personnage. Donc ça, vous pouvez le faire qu'à partir du niveau 25, tout comme vous pouvez aller chercher les armes à partir du niveau 15. Enfin, 10 pour certaines armes, 15 pour les autres. Et donc, le seul intérêt, on va dire, direct qu'il y a à le mettre en. Comment ça s'appelle? À la retraite, c'est de gagner un emplacement de perks. Donc, le cinquième emplacement que vous ne pouvez pas acheter. Vraiment, vous êtes obligé de faire une mise à la retraite pour l'avoir. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est le gros intérêt de la mise à la retraite, on va dire, principalement. D'autant que ça coûte du pognon de les mettre à la retraite. Je suppose que pour aller chercher les armes, ça va nous demander aussi du pognon, certainement pour la dernière mission. Donc, là, on va avoir trois missions à faire qu'on ne choisit pas, qu'on nous impose. Pour pouvoir, par exemple, là, avoir le cryo canon, donc, qui est l'arme principale du driller. Enfin, la nouvelle arme principale du driller. Qui a l'air d'être pas mal du tout. Elle a l'air d'être un petit peu plus puissante que son lance-lame, mais bon, j'en mettrai pas ma main à couper. Alors moi, il y a certaines choses dont je n'ai pas accès, c'est qu'il y a toujours le système de palier de niveau, en fait, sur mon arme, si tu veux. C'est-à-dire que là, actuellement, vu que moi, je suis level 11 avec le mineur,
communément appelé le driller, je n'ai pas accès aux trois dernières augmentations possibles de l'arme. D'ailleurs, j'ai quoi comme possibilité? Alors, soit j'augmente la réserve, soit j'augmente la portée des flammes, c'est pas mal. Soit j'augmente la cadence de tir. Moi, je vois pas trop l'intérêt d'augmenter la cadence de tir. La portée. Parce que ça augmente pas mes dégâts. Ouais, la portée, je l'avais faite. La portée, je l'ai faite parce que c'est vrai qu'il. Bah, ça la double, c'est quand même pas mal. Ouais. Mais moi, je vais opter plutôt pour un tanker, parce que c'est quasiment notre arme principale quand ça chauffe. Donc là, on parle de quoi? Carburant non filtré. Alors, tout n'est pas encore traduit, ça c'est fatigant. Hein. The Good Folk in R&D, Win Busy, The Overhaul. Overhaul damage of your weapons is increased. Donc là, pareil, ça me dit que ça augmente mes dégâts, mais je vois pas que ça augmente mes dégâts, donc moi ça me stresse. Ah, oui, les flammes collantes, c'est pas mal. Triple filtrated fuel. Much faster. Time to watch the world burn. Alors ça pareil, c'est bien mignon. Gasoil plus filtré. Carburant non filtré, triple filtrage, dégâts de flammes collantes. Je sais pas ce qui est intéressant là-dedans en fait, ça me vénère. C'est pas clair. Durée des flammes, on s'en cogne. Sticky flame slow down. Ah, ça c'est pas mal, les flammes qui. Oh, attends, c'est quoi le dernier? Fuel max. J'augmenterai ma capacité à 375. Mais ce serait complètement fumé. Alors j'ai déjà augmenté le tanker. Allez, ralentir les gens, c'est quand même la teuf. Ok. Alors faut faire des choix, hein, c'est terrible. Hein. Précision du pistolet. C'est jamais évident. Précision du premier coup. Hein? Ah, c'est juste pour augmenter la précision de l'arme? C'est nul. Yeah. Munitions supplémentaires. Je peux transporter plus de munitions. Plus de dégâts. Ah merci, parce que bon, c'est quand même un pistolet qui fait 0 dégâts quoi. Threat person reduce. C'est clair. On réduit le recul, non? Quickfire éjecteur, non? On expand les munitions. Ouais, plus de munitions sur le pistolet, c'est pas déconnant. Ou réduire le recul. Ça serait pas déconnant non plus. Ouais, je sais plus, il a pas tant de recul que ça, je crois, hein, le pistolet du mineur de base. Non. J'y mens pas. Voilà, ça oui, donc je voulais dire, voilà, dans le tableau d'affectation, oui. Les premières missions que vous aurez à faire, en fait, c'est pour débloquer donc les autres parties, on va dire, de Oxys. C'est combien? 6, 4? Comment il l'appelle cette planète? On va l'appeler 7. 7, c'est joli. Je sais plus c'est quoi son nom. Parce que. Voilà, ça permet de débloquer les autres zones. On va l'appeler 7 parce que aller miner sur 7, c'est chaud. Donc, chaussettes. Ah, il y a 8 secteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bon. Alors, tiens, Knarfang, dans le terminal de mission, est-ce oui. que ça apparaît le petit icône dans, au niveau le de petit noyau icône magmatique. Sur le puits de sel. Et sur. J'ai un espèce de noyau sur puits de sel. Et j'ai également une pioche tout en haut. Ouais. Ouais. Et qui est sur la mission, il faut récupérer 25 holomites. D'accord. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux de façon. Donc on va faire la tienne, après on fera la mienne, parce que moi c'est en mission noyau magmatique. D'accord. Ah ouais, mais attends, moi j'ai rien select, hein, je crois. Attends. T'as choisi quoi comme truc? Ah bah j'ai choisi, bah après, ouais, cryo canon. Fichier... Ah, le cryo canon. Ouais. Mais je sais pas si ça change. Pas période de probation? T'es sûr? Ah non, moi je l'ai déjà faite. Ah, t'as déjà fait la période de probe? Ah bah c'est peut-être en fait, ça en fait que je me retrouve à faire. Ah ouais, mais c'est pour ça en fait, tout est verrouillé pour moi. Ok. Bah alors attends, sauf on va le faire puits de sel. Donc on va prendre une douche de sel. Parce que moi tout est verrouillé du coup. Parce que le jeu pense que je suis un double. Lol. Puits de sel? Ouais. C'est tu veux que je te dise c'est laquelle? Oui. Alors c'est la Loaded Ditch, l'expédition minière, celle qui est à 200. À 200, d'accord. Faut récupérer 200 conneries et 25 holomites, okay. Tout en haut. Ok, alors je nous mets en private, en public. Ah bah tu nous mets en private, hein. Ouais, tu nous mets en pas trop dur, hein. On va juste la meuler tranquillement. Tester un peu les flingues que j'ai upgradées, j'ai pas tryhard le jeu comme vous, ouais. Monsieur Dreamer H27. Ouais, écoute.
Un petit peu. Monsieur le Dreamer du 27, bien t'as vu. Tout à fait. Ça va. du coup, je le mets quand même en 3. Puisque la grotte n'est pas complexe et la mission est très courte. Ça te D'accord. va D'accord. Ouais, bah, c'est toi qui vois. Hein. Si on se fait défoncer, hein. Est-ce que t'as pris ta bière spéciale Morkit? Ouais, je suis Morkité, ouais. T'es Morkité, ouais. Eh ben, on est parti. Ah ouais. Ouais, je suis à moitié mort aussi, à moitié en kit aussi, si tu veux tout savoir. Est-ce que t'es à moitié mort? Ouais, c'est parfait. L'état standard du bon employé. Non, tout du moins. Oh là là, il a un joli cadre color autour de son... Oui, t'as vu ça? Oh là 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 là. Avant, ça ressemblait à rien, et là, j'ai l'impression d'être un... Oh, un genre, je ressemble à rien, c'est ça que tu veux dire? Non, je suis... Là, je suis passé sous-commandant en chef. Et toi, pour l'instant, bah, t'es grouillot, quoi. Ouais, tu suces du dev. Tu balances du fric par les fenêtres. Ouais, ouais, d'accord, y'a pas de problème. C'est ça. Ouais, moi, je suis bien grouillot, hein, tu sais. Hein. Moi, j'ai pas de difficulté à me regarder dans le miroir le matin. Il n'y a pas des taches de blanc sur mon visage, tu vois. Oh, mon visage, il est clair et net. Ah bah tiens, il y a un Alfonso qui se connecte sur Deep Rock Galactic. Tout à fait. Ah, donc on va récupérer... Alors, d'ailleurs, je suis très content parce que on ne crache pas là actuellement. Hein. Ça n'a pas l'air d'être parti pour. C'est-à-dire que je charge quand même. Voilà, regardez. On est au bout, on y croit, mort. Incroyable. Incroyable. Voilà, il est là, nous. Oh, on PC en PLS! On PC en PLS cosmique, hein, c'est terrible. On est déjà un petit kilomètre de profondeur, easy life. Tiens, allez, c'est bon. Plaisir, ma petite gueule. Ah ouais, tu vois, c'est ce que je pensais. Ils ont rajouté. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Ils ont rajouté des petits indicateurs de munitions sur quasiment chaque arme. Donc là, je l'ai sur le. Directement sur le fusil à pompe et sur le lance-grenade aussi. Alors je l'ai aussi là actuellement sur mon lance-flamme d'ailleurs. Qui est assez moche d'ailleurs, je trouve pas très design le lance-flamme. Autant il y a certaines... les autres armes, je trouve assez stylé. Ah si, normalement sur le lance-flamme c'est une jauge, c'est un manomètre quoi. Oui, non, mais ce que je trouve c'est que le lance-flamme je trouve assez dégueulasse en fait. Genre t'as une grosse bonbonne à côté de ton. À côté de toi. Je trouve ouais, mais attends, il est. Ouais, mais il est quand même. Faut être honnête, il est quand même mieux que ce qu'on avait à la base. Ah bah. À la base, il était. Oui, bah, il ressemblait à la base à rien. De la base, il était quand même. Ouais. Mais au moins, on va dire qu'il est esthétique. Parce que là, maintenant, il ressemble à quelque chose. C'était un manche à balai avant. Yes. Allez. C'est vrai que c'était Ouais, mais c'était un beau manche à balai. Tu vois, c'est quelque part, c'était ça. Un manche. Alors que là, tu vois, c'est un flingue. Mais dégueulasse. Donc, bon. À voir, hein. Ouais. Oh là 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 là, je rame. Ce jeu me déteste de manière catégorique. Hey, hein, je veux pas driller pour aller chercher ça, s'il te plaît. Faire un escalier. Non. Je sais pas ce que tu veux en fait, mais oui. Ah non, mais c'est bon, j'y allais sinon, hein, c'est pas. Bon bah, t'y es. Voilà. Oui. Ne réclame pas des choses dont tu n'as pas besoin. Bon, alors je te préviens, à première vue, je rollback for life. Ah. Ça a l'air d'être ouais. En fait, j'ai l'air d'être ouais très pauvre en réseau. J'ai l'air de. Je pense que tous ces bugs naissent dans la grison. Ah, c'est embêtant. Hein. Je te dirais bien que creuser ce genre de conneries, c'est mon boulot, mais. Ah, je le trouve plus sympa quand même le lance-grenade. Hein. Oh, c'était bien. Ils auront fait quelque chose dessus. Bon, ils sont le lance-grenade, ouais, le lance-grenade est assez joli. D'ailleurs, tiens, je vais me mettre au pistolet parce que moi je préfère me balader au pistolet. Moins volumineux. Eh, t'as regardé ton. Vas-y, prends ton C4 dans la main. S'il te plaît. Alors attends, je finis de miner ça. Hein. Moi, tu sais, le pognon d'abord, après on discute. Hein. La picole ensuite et après on voit. Le C4. Ah, il est tout petit. Ah, il est tout petit, on est d'accord, donc il est redimensionné. Okay. Par contre, moi je le vois toujours aussi gros. Tu sais, je le vois aussi gros qu'avant en fait. Ouais, par contre c'est parce que du coup ridicule en main. Ouais, mais il fait toujours aussi autant de dégâts. Ouais, mais ça fait ridicule en main. Ça fait pas. Non. Ouais, mais, du coup, ça ouais, fait... mais par contre, enfin, il... bon, ok, il est peut-être trop petit maintenant, mais avant il était vraiment trop gros. Oui, avant il prenait tout ton écran, t'avais l'impression de te balader qu'une palette. Enfin, je veux dire, il y a quand même un juste milieu entre le truc, tous tes doigts dépassent de tous les côtés. Ouais, bah ils vont y arriver. Je pense qu'un jour ils vont y arriver, après, je suis pas sûr. Hein. Ah.
Oh vas-y, je prends des douches de Morkite. Douche. Allez Molly. Allez viens mes mères. Toujours la musique qui bug pareil dans ce jeu. Bon pas au point. Pas au point le jeu, je suis déçu. Je suis déçu, ouais. Moi quand tu m'as dit grosse mage, vite viens jouer, tu verras, c'est le meilleur jeu du monde. Finalement non, pas convaincu hein. Je suis désolé, non. Non, ah. Non, satisfait ou remboursé, là moi je jure plutôt remboursé quoi. Ah parce qu'en plus faut que je te rembourse. Ah bah oui, complètement, complètement. Bah on sait très bien que quelque part t'es le responsable hein, oui, oui, c'est vrai, de la communication oui, oui. Hein. By the way. Non, ça va, je me ferai pas, je me ferai pas rembourser le jeu parce qu'il y a encore des bières, mais s'ils avaient enlevé toutes les bières là, oui. Non, là j'aurais je reconnais que j'ai beaucoup communiqué quand même sur les... la mise à jour. À fond les manettes. Ah, je me fais oppresser par deux bestioles là. Ah ouais, attends. C'est pas attends, ton truc ça normalement. Ah non, t'es pas le soldat, excuse-moi, je dis de la merde. Ah oui, tu testes ta grenade à vélocité max. Bah, alors, à vélocité, pas grand chose. Je crois que j'ai pris des balles en plus et j'avais pas pris le recul et j'ai bien fait. Comment il est pété le fusil à pompe en auto? Ce pistolet n'a pas de recul. Ah ouais, je recharge direct. Ah c'est génial. Attends, fais gaffe. Si tu veux mettre ton C4, il y a Pepper là qui est là. C'est quoi ça? Et vas-y. Bah c'est un speedballer mais qui est en hibernation. Et tu veux que je le sorte comment là? Bah en gros tu drilles doucement, tu fais pas de bruit, tu t'approches de lui, tu jettes ton C4 sur lui et tu te barres. Parce que là en fait je peux faire genre un petit peu de parcours. Merde. Ouais pas, faut pas que tu... Bah non mais tu drilles sur le côté. Ah ça c'est pour moi. Attends. Normalement c'est bon. Putain, et ça fait bizarre d'avoir le fusil à pompe en auto. Creeper hein. J'ai creepé un creeper. D'accord. Il y a quelques cailloux qui tombent parce que j'ai tiré, c'est normal? Ouais, c'est normal. Ça fait toujours ça au début. Oh là là, le son. J'espère que le son sur la vidéo sera bon. Non, moi par contre, je souffre hein. Oh là là, je suis en PLS. Normalement, les flammes collantes, on en pose ou pas? J'ai l'impression que ça colle beaucoup les flammes, hein. Un peu... Je suis un peu déçu, si faut le dire. Mais qu'est-ce qui me tire dessus? Ah mais mec, il y a encore des merdes qui volent. Ah non, c'est un glyphide acide. Oh bah ouais, alors l'autre est le retardataire quoi, qui voulait faire son petit malin quoi. Oh le mec il voulait prouver qu'il existait quoi. On revient pas. Ah, ça se concrétise. Bon bah on va se battre ici hein. Ouais pas mal, cul de sac. Normalement pas plus d'emmerde que ça. Il est où Mully? Il est ouf. Oh c'est horrible pour mes oreilles hein. Mais surtout que en fait chez moi il sature complètement en fait. Ah ouais bon, c'est... Oh, c'est horrible. Au milieu, derrière toi.
Fais gaffe, y a une grosse qui arrive. Oh putain. En pleine bouche. En pleine bouche la grosse. Hop hop hop, je suis mort. Je suis mort dans 3-2-1. Heureusement que ce jeu c'est Fortnite hein. Heureusement que le secret de ce jeu c'est de sauter hein. C'est Fortnite hein. On aime beaucoup Fortnite. Ouais ouais. Ouais je jure parce que hein, j'entends rien. Fortnite. Retenez Fortnite, c'est génial. Oui, 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 on entend. Ouais, bah Fortnite. Vas-y, je te laisse gérer ton tour, hein. Moi, je Fortnite la Morkite, ok. Du style. Ah, plus de munitions, toi. Oh, je me demandais ce que je faisais éclater au sol. Ça y est, j'étais en train de stresser, je me panique et tout. Oh, les toiles font beaucoup moins de dégâts. Bah oui, ça fait un moment qu'ils les énervent déjà, les toiles. Ouais, mais là, ils ont eu du mal à fumer un spell dedans. C'est dommage parce que l'ingénieur, bon, c'est vraiment la classe du jeu, je trouve. C'était vraiment le mec le plus badass, quoi. T'avais pas besoin de savoir viser, t'avais juste besoin de savoir gérer un peu tes munitions. Hein, pourquoi je peux pas ramasser ce caillou? Eh, caillou, c'est mort. Je t'ai envoyé un caillou de ses morts que je peux pas ramasser. Là. Ah, là où ça pète. Ouais, ouais, ok, il est boomer. Ok, ça a pété. Et je peux toujours pas ramasser le caillou de ses morts. Ok. Ah ouais, alors quand les mecs disaient que la mission était courte, ouais, ils rigolaient pas quoi. J'entends. Hop, 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 je t'ai entendu le creeper. Aïe. Allez, on bouge. Getting more ammo. Ah bah attends, avant de prendre mes dernières mines, attends, je vais creuser avant de prendre mes dernières mines. C'est bon, c'est bien tout droit là. Ouais, à peu près. Ouais, par là. Un petit peu à gauche maintenant. Voilà, vas-y. Impeccable. Voilà, monsieur. Impeccable, monsieur. C'est même le petit marchepied si tu veux. Bon, on travaille dans le noir. Hein. Sans qu'il n'y a pas d'éclaireur dans le crew. Hein. Ouais. Bah, il y en a un qui est rentré, mais je sais pas. Qui est rentré dans le jeu. Apparemment, il... Ouais, mais t'as pas de news, ouais. Il veut pas trop. Il veut pas trop. Fait genre, en fait, je joue, en fait, il est parti sur R6 ou Payday 2, quoi. Ah, il est encore venu nous vendre son PD menu là. Quelle personne ne joue. T'aurais pas une paire d'énor qui sera en bas là? Quoi? Ah si, bah elle est là. Elle est déjà tombée. Ah, c'est possible. Ok, come here. Possible. Je peux, j'avais pas regardé. Ah, j'entends un petit. Ah, voilà. Donne le pognon, toi! Donne le pognon! El Platas, là! Donne le pognon! Mais putain, mais ils ont mis trop de points de vie à ces saloperies! Tout ce qu'il faut tabasser pour récupérer un peu d'argent, là! On récupère déjà presque rien. Presque pas de thunes à récupérer, c'est déjà le drama. Au fait, t'en as recroisé dans la nouvelle version, là, de tes pierres inconnues? Là, maintenant? Sur A19? Ouais. Bah non, c'est la première partie que je fais. Ah ok, d'accord. Ah oui, t'as fait une session inventaire donc de 8 heures en fait. Enfin, c'est ça. La quantité d'insectes. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je devais arrêter le stream. Ouais, bon, non, vas-y, hein, continue, hein, c'est génial. Hein. Ça, moi, si l'épisode il est buggé, ils iront le voir chez toi. Voilà. Ça, s'il est dû lâcher, vous irez le voir chez Dreamer. Je mettrai le lien en description. Ah, bien sûr, si j'y pense. Hein. Sinon, bah vous vous démerderez, hein, comme d'habitude. Hein. Ah bah oui, ça y est, on a fini, effectivement. Eh, hey, y'a un truc là. Ouais. Il y en a même d'autres. Ça va faire exploser quelque chose dans le cul. On a besoin un peu de ton soutien logistique hein, quand ça tourne mal. Hein. Oui, tout à fait. Je le dis, hein. Moi déjà que je rame du fion, hein, si tu veux. Bon allez, je vais t'en mettre partout, je vais te faire sauter tous les insectes du monde, tu vas voir. Ça va être sympa. Allez, vas-y. Crève, sale bête!
Saloperie! Personne ne t'aime, personne te trouve mignon! Putain, t'es comme le mulet, tu sers à rien! Le mulet. Le mulet! Comme la coupe mulet dans les années 70, tu sers à rien! C'est ça. Enfin, pour faire une blague qui pique plus, faudrait dire c'est comme la coupe mulet aujourd'hui, ça sert à rien. Plus comme ça, tu vois. Ah bah ça y est, on est fou. Ah bah ça y est, on peut plus rien ramasser. Ah ça y est, c'est la merde. Oh, moi c'est vraiment horrible de monter le son. J'espère vraiment que ça ira. Hein. J'espère que ça le fera. Lumière. Action. Ah mais il y a du bismore. Ah, il y a du bismore, il y a encore un peu de l'omite. Waouh, je glitch dans la roche. Intéressant. Bon, je suis déjà plein. Oh, ça. Ouais. Oh, on voit que dalle. On voit que dalle. Oh, ça me saoule. Bon, par contre, le noir est plus noir, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai vraiment l'impression que quand t'es dans le noir noir là. Hein. Ouais, c'est. Alors, je sais pas si c'est moi, si c'est un réglage qu'ils ont fait sur mes gamins entre deux ou quoi que ce soit. Non, c'est possible ouais, qu'il ait changé. Bon, par contre, les torches. C'est vraiment beaucoup plus terne. Hein. Ouais, par contre, les torches éclairent plutôt bien. Ouais, bah heureusement, parce que par contre, dès que t'es un peu loin de ta torche, tu vois vraiment plus rien. Hein. C'est la caverne d'Ali Baba. Hein. Ouais, ouais, c'est pas mal. Je préfère le mec, mais on est vachement bien servi, je trouve. Par contre, c'est normal qu'on transporte plus rien, j'ai l'impression. Ah non, non, 40 Morkite en fait. Ah ouais, les 20%, on les sent. Hein. On les sent, les 20%. Bah, hein. Ouais. Ils sont pas vilains. Hein. Bah, en fait, je crois qu'on avait déjà fini avant même de rentrer dans la grotte. Bon, bah écoute, hein, on peut y aller. Hein. Ouais, je crois. Bah attends. Check, hein. Check bien qu'on n'ait pas oublié un peu d'or, une merde. On n'est pas stressé, puisqu'après ça va être la vague en même temps qu'on va déménager, mais. Ouais, non, t'as raison, hein. Je crois qu'on est clean. Hein. Ouais, on peut y aller. On a clean le board. Alors attends, je reprends de la vie avant que tu lances tout ça. Un petit peu de sucre. Je reprends de... voilà, puis bon, on est bon. Munitions, on est bon. Toi, je suppose que t'es bon aussi. Ouais, je suis full. Allez, c'est parti. Je fais mon feignant, je me mets sur la mule. Rien, parce que moi je vais ramer du cul, donc ça va être bien. Bah tu vas peut-être pouvoir nous driller un petit truc là, après. Ouais. Ah oui, en fait, un peu, oui. Là. Je vais mettre, t'as raison. Bah attends, il arrive, ouais, avance un peu. Par contre, je vois vraiment plus rien. Merde, attends. On aurait pas oublié la pépite d'or là. Si. Oh le con. Oh mec, il y a tout pour cette pépite, hein. Tout pour cette pépite, hein. Ma vie est une pépite, hein. Fais pas le dingue, hein. Bah attends, elle arrive la mule. Elle est là, elle est là, elle est là. Non, elle non, mais vas-y, bah, je sais pas si je vais pouvoir lui mettre... Non, elle est fermée. Non, non. Ah si. Ah ouais, t'as raison. Allez. Ah bah combien de fois j'en ai récupéré à la dernière seconde. Tu sais que je suis pas du genre à laisser une pièce de cuivre derrière moi. Non, non, effectivement, ouais, je sais. Même une chope vide, hein. Moi, bon, on fait rien. Ok. On sort les flammes. Ah, prends la douche de flamme, enculard, va. Voilà. Bon, il est où le machin? On continue? Ok. Yes. Moi je dis drill, hein. Bah, Barry, c'est comme tu veux, hein. Allez, parti, on sort la drilleuse. Ah, le problème, c'est que je rame, quoi, pour drill, c'est chiant. Attention, boomer! Avance, ah, avance, avance, continue. Je vois plus rien, mec, hein. Et j'ai surchauffe. T'inquiète pas, ça va le faire, hein. En tout cas, je continue à percer des trucs, hein. Donc, tu sais, tant que je continue à percer, c'est que c'est bon. Hein. Oh putain, ça surchauffe, mais tellement vite! Ah, il faut que je m'en laisse une là. Laisse-moi une ici, le jeu, wesh! Bon bah je t'ai envoyé toutes mes loupiottes, hein, profites-en. Hein. Éclaire-toi bien.
Ça va, ça grimpe pas trop, j'espère. Ça y va, mais... Hein? Pourquoi je me fais taser à travers le truc? On y est. Comme qui dirait l'autre, Paris, c'est quand vous voulez, hein. Ouais, cassez-vous les monstres, des grenades qui l'en veut, faites pas chier. Voilà. Alors attends, il faut que je remonte un peu par là. Hop. Ici. Ah, j'ai encore de la morkite à mettre. Ah. La morkite. Oui. J'ai sauvé mes 8 de morkite. Je suis un héros. Ah, pareil, c'est quand tu veux, hein. Ah, tu comprends pourquoi on l'appelle 7 cette planète? Parce que c'est chaud! C'est chaud 7! Oh putain! Ça, ah, je vais être obligé de le... Je vais être obligé de couper le stream. Mais non! Eh, t'es génial! Cette planète, il doit appeler 7! C'est trop bien! C'est une blague de driller, tu peux pas comprendre. Ah, c'est ça! D'accord. T'es trop un ingénieur, tu peux pas tester, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon bah ça s'est fait. Bon en tout cas je suis content parce que ça veut dire quand même que le niveau 3 se fait dans certains cas de figure. Parce qu'à la fin c'était devenu un peu infernal hein, de jouer même en niveau 2. C'était devenu très sport, rappelle-toi. Ouais. Je trouve que le... ça a été revu un peu à la baisse. J'ai débloqué une chasse aux œufs visiblement. Attends par contre faut que je regarde l'équipement, c'est un peu particulier. Ah oui j'ai débloqué une chasse à l'œuf. Ouais. Ah oui parce que du coup il faut que je fasse toute l'approbation. Oh là là, Hubert, c'est la mort. C'est la mort mec. Alors oui aussi il y a autre chose qu'il faut qu'on vous dise là dessus. C'est à dire que là par exemple si je décide de changer pour avoir par exemple plus de fuel ah non ça augmente la durée des flammes. Ah j'avais pas pris le collant, j'ai pris le ralentisseur. Ça fait quoi? Voilà, si par exemple j'achète ça. Hein? Je peux avoir deux améliors? Ah, je peux acheter toute la ligne? C'est quoi ces conneries? Ah non, c'est ça, c'est voilà. C'est je change mon module. D'ailleurs, je vois pas d'impact physique sur mon arme, je sais pas si c'est prévu. Bref, une fois que c'est acheté, c'est bon que vous le possédez. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce qui est important à savoir, je pense. Voilà. Ok. Là, ah, ça a changé. Ah oui, avec le nouveau pistolet de l'éclaireur. Ok, l'éclaireur qui est moi, il est max. Non, il est pas max, il est comment mon éclaireur là? Level 10 aussi. Faudra que je joue l'éclaireur également. Et il faut que j'en profite. Ah, tiens, ils ont déplacé nos baies. C'est rigolo ça. C'est rigolo ça. Validation dans les trucs, les étapes, les machins. Non, y'a rien à valider, y'a rien à récupérer. Rien à récupérer. C'est la tristesse. C'est la tristesse, c'est la tristesse. Bah, en attendant, moi je vous remercie, c'était Knarfank sur Code d'habitude Gaming. Pour Deep Rock Galactique, on va se finir ça sur une petite bière. Hein, mon Dreamer, une petite bière. Tout à fait. Ah, j'ai une pet crâne. Du coup, j'ai débloqué la pet crâne. Viens prendre ta pet crâne. Attends, j'arrive. Viens prendre ta race là. J'arrive, j'arrive. Chipoté. Ah bah oui. Bah attends. Cheers, everyone. Je pense que ça dépend. Ah mais des il change. D'accord. Possiblement, je me dis. Encore. Ah ouais ouais. Donc là c'est la bière pet crâne à 425. Elle est moins chère que la morquette. Elle nous donne quoi? Plus 10 de dégâts. Alors... de pioche. C'est rigolo. Ouais. On tabasse ouais, un peu plus c'est... fort. Ça fait très mal. Ouais, en général tu mets headshot direct. Ooh, that's nice. Ooh, c'est tellement cool. Bon bah écoute, tu fais des bisous à YouTube, Dreamer. Bisous, bisous. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez aller le voir sur Dreamage 27 pour voir un peu plus pour les armes, hein, parce que t'en as discuté un peu plus, t'en as vu un peu plus toi sur, ouais. Sur Twitch. Donc allez-y tant que la rediff tient. Et puis parce que si mon épisode en termes de son est dégueulasse, vous irez le voir chez lui. Et tout à voilà. Fait. Des bisous. Et le live est encore en direct. Enfin, il est toujours. Le live est toujours en direct, mais bon, moi, quand j'aurai posté cette vidéo, t'auras coupé ton live, je pense. C'est possible. Voilà. Je vais mettre des barils, parce que je veux le succès des barils, bordel. Il existe toujours ça, pas. Je vais essayer, je vais essayer le truc.